Alors on se retrouve pour un freestyle contre Hécatombe, un EK 199 qui joue Terre en 10-5. Donc on se retrouve dans la continuité de l'autre freestyle. Hein. Ça veut dire des défis et pas des aggros. Parce que tout simplement il n'y a pas d'aggro sur Roulette. Donc on est obligé de faire du 1v1. Et Hécatombe là qui... Ouh, bien joué Hécatombe là. Le boost après avoir tapé. Mais bon, au moins ça te permet de gagner des PA et me faire un pilou en plus. Et moi, ça me permet aussi de faire des choses en plus. Oula, tu pars loin. Reviens ici, s'il te plaît. Ne pars pas trop loin. Alors, petite roulette 58, donc inutile. On va balancer nos deux récops. On va voir quand est-ce qu'ils tombent. Ils tombent, ils tombent. Dans 2 tours, donc on va pouvoir se booster. Avec roue de la fortune, perception. Puis on va s'éloigner. Hop. On va même faire un petit trèfle. Et c'est vrai que ça lag. Hein. Le serveur ce soir lag un peu. Il a pas tort de se plaindre, Hécatombe. Oula là, là. Ah ouais. J'avais pas pensé aux griffes joueuses comme ça là. Ça fait plutôt mal, je dois vous l'avouer. Ça fait même très très mal. Vivement le. Oula, il y a un colis de trouver. Vivement le récap qui arrive. Oh, et la roulette terre qui fait encore en dernier. Il a vraiment pas de chance parce qu'il pense pas forcément. Et c'est bah, c'est plutôt une erreur quoi de pas y penser. Alors, là par contre moi, j'ai pas la ligne de vue donc ça m'énerve un peu. Ça me perturbe même beaucoup beaucoup. Là normalement je dois l'avoir. Nickel, là je l'ai, mais bon. Je vais me faire quand même gangbang. Je voulais partir plus loin que ça en fait et me dire en me disant ouais ça va le faire. Bon là je lui mets quand même du presque moins 1000 au top cage. Et les récaps qui risquent de tomber prochain tour, ça risque de faire quand même ça très très mal. Et je me fais roxer aussi à l'esprit félin. Bon là il a déjà joué son contre-coup donc ça veut dire que moi je pourrais le jouer au prochain tour par exemple. Ce qui m'assurerait peut-être la victoire. Il fait encore une roulette 400 J donc ça c'est plutôt cool. Je vais peut-être pouvoir utiliser les dagues Yuvette à moins 700, ça par contre ça fait plutôt mal. Il me reste 1600 points de vie. Le récap à moins 1000, 2720. Oh là 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 là. It's Monster! Monster, wake up! Oh putain! Oh ça c'est du rocks! Oh ça j'aime! Oh j'aime quand ça claque! On va jouer soft, on va jouer récap. Oh ce serait bien qu'il tombe dans un tour, voilà, comme ça on assure. Parce que s'il meurt pas avec le contre-coup, voilà, il mourra avec le récap à mon prochain tour de jeu et moi je pourrais résister. Eh bien tout simplement à ses attaques. Parce que là il va faire une roulette. Et il va sûrement pouvoir se régénérer un peu avec les Yuvette. Ah je sais pas si le récap. Le récap va pas forcément le tuer. Mais bon au pire après moi je pourrais le tuer vu que j'ai encore mon tour de jeu après. Mais ça sera tranquille. Il rocks beaucoup hein. C'est un EK où il faut vraiment éviter le corps à corps. Mais là avec le récap que j'ai lâché, j'ai même pas besoin de m'inquiéter. Il va essayer de fuir et il meurt avec le récop. C'est le récop ou c'est la chute du contre-coup? Non, c'est le récop, hein, ouais, c'est ça. Alors, on se retrouve face à un Inutrophe pas vraiment très optimisé, vu qu'il a déjà une DD turquoise, il est en Danator, etc. J'ai pas regardé son total de PA et PM avant qu'il puisse commencer le jeu, mais bon, déjà, il me met déjà assez cher comme ça. Il a 3400 points de vie, il est en 10-4, donc ouais, c'est vrai que c'est pas non plus terrible. C'est pas terrible, terrible. Et j'ai déjà plus de PO. Donc ça, c'est quand même pas très cool. C'est pas très, très cool. On va éviter de se donner, bah, faire odorat face aux Zénithrophes. Ça peut vite partir en cacahuète, cette idée. Il y a une roulette 400 force, donc ça veut dire un gros destin. Un gros, un petit destin, du moins, sur Zénithrophes pour tuer le sac. Je suis obligé de le finir encore avec un bluff. Donc là ça veut dire que, eh bien tout simplement, prochain coup, si j'arrive pas à choper Skylight, s'il fait une accélération ou des choses comme ça, eh bien tout simplement je suis mort. Alors là, grosse pelle massacrante, et ok, il vient au cac pour taper avec sa pelle raw, etc.
Mais ça, c'est une erreur. Non, c'est pas forcément une erreur de sa part, mais oula, encore roulette 400 force. Donc là, on va encore se faire plaisir. Un petit destin à 400. Un petit esprit. Un moins 503. Et j'ai encore de quoi faire un bluff. Et un tout ou rien. Un moins 567. Et moins 385 sur moi, mais ça va. Encore un coup de Hachereau à 663. La libé, ça c'est plutôt bien joué par contre. L'accélération de sa part, ça c'était prévisible. De toute façon, j'ai pas de PO, donc pour le moment, je peux pas le toucher. Je cherche une idée de ce que je pourrais faire. J'ai peut-être une petite idée là en tête. J'ai fait une roulette 58. Doppel. Non, on va pas risquer. On va invoquer le Doppel. Voilà, on va booster le Doppel. On va libérer le Doppel pour qu'il arrive au CAC. Et bien tout simplement de l'inutrophe. Et là, je viens de me prendre le destin parce que j'ai pas tapé sur destin. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Et là, le Doppel qui va encore se faire plaisir avec ses petits bluffs à moins 120, 9, moins 140, 109. Donc encore du petit 400 par tour ce Doppel. Donc il est quand même fort utile. Et ce petit Ténu qui rocks quand même vachement. Donc c'est vrai que là, j'ai plus beaucoup de vitalité. Encore du moins 500, etc. Bon, ça va. Si je joue bien, j'ai un talent de finisher qui est assez extraordinaire. Mode boulard, ça veut dire que je peux résister encore pendant pas mal de temps comme ça. Et en plus là j'ai ma PO, donc ça c'est magnifique par contre. Et en plus je viens de faire une roulette intelligence. Il faut que je sache l'utiliser intelligemment là par contre. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. On va lancer l'odorat. Là voilà. Et je vais lui lancer deux top cage. À moins 392 et un autre à moins 893 et normalement je vais mourir. Parce qu'il me reste 1000 points de vie. Ah, j'ai fait le con là. À moins que le Doppel puisse le finir, mais ça m'étonnerait. Voilà. Ah, ça va être dur de survivre. Ça va être dur, dur, dur. Je pense que je meurs là. Parce que je suis à son cac en plus. Ah, j'ai pas réfléchi. Ah! Il me met pas un cac! Pourquoi tu me mets pas un coup de cac? Oh la corrup. Oh ça c'est laid. Oh ça c'est moche. Et il me corrupt moi mais il corrupt pas mon Doppel. T'es intelligent toi. Tu es très très intelligent parce que... Oh là là, il aurait pu me finir 1000 points de vie là, il m'aurait fini. Le Doppel en plus qui a 12 PA, bah c'est bon, c'est la fin pour Skylight. Malheureusement, bah je pense que c'est la fin. On va voir. Ah non, ça reste encore très très serré. Il lui reste 36 points de vie, mais là pour m'enlever 1700 points de vie... Et jamais se fier aux apparences, hein. Les Zénutrophes c'est très très chaud, même mal équipé, etc. Vous voyez que lui il est plus équipé quand même PVM. Et ben ça reste quand même très compliqué. Alors là il a invoqué son sac. Donc moi ce que je vais faire, ça va être assez simple. Donc là déjà petite roulette. Je vais booster le Doppel, parce que c'est le Doppel qui va pouvoir aller choper les Nutrophes. On va se donner du PM avec Odora. Et on va taper, eh bien tout simplement, un peu sur ce sac, histoire de simplifier la vie au Doppel. Hop, et même pouvoir un peu repartir. Là, je mise tout sur le Doppel, là. Voir ce que fait le Doppel. En plus, il a les PM magnifiques. Ah ouais, mais il va pas. Ah, il le finit pas encore. Oh là 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 là, il est mouleux. Il est mouleux, cet Énutrophe. Bon, ça va. Je peux encore résister. Normalement, le Doppel pourrait le finir. Là, ça dépend où il part. Il va encore essayer de me taper. Il lui reste 3 PA, donc 3 PA. Non, c'est bon, ça va le faire. Il va se régénérer un peu. C'est bon, ça va le faire. Ça dépend où tu... Voilà, nickel, 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 nickel. Ah non, il a plus de PM! Il a plus de PM! Oh là 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 là. Ça, c'est moche, par contre. C'est très très moche. Très 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 laid. La PO me revient dans un tour. Si on se cache là, c'est nickel. Hop. Contre-coup pour assurer le tout, voir s'il va pas nous taper, etc.
Et puis on verra bien comment ça se passe. Mais là, le Doppel, il a 2 PM, il a pas forcément la ligne de vue. Oh, il a la ligne de vue! Ah ouais, mais bon. C'est pas comme s'il faisait des énormes dégâts sur Pilou, hein. Oh là là, c'était une trophée. Et j'ai, en plus, dans le combat, je fais, ouais, j'ai des talents de finisher et tout, je vais durer plus longtemps que lui. Là, pour le moment, c'est lui qui est en train de me prouver le contraire, qu'il arrive à résister. Mais bon, c'est bon, j'ai la PO maintenant. Ça va le faire. L'appel massacrante à moins 539. Donc là, il a la ligne de vue, effectivement. Donc ça veut dire que j'ai plutôt intérêt de le finir ce tour-ci, parce que sinon, eh bien, je vais mourir. Et le Doppel peut tout simplement le finir. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on se retrouve face à Spark. On va lui dire salut. On va lui dire YOLO. Et du coup, face à un petit Yop qui est en, je sais pas, peut-être feu, peut-être terre, on va bien voir. Pour le moment, je sais pas, je le connais pas. Alors, on va se faire notre petite roulette. On va d'abord faire nos récops pour savoir quand est-ce qu'il tombe. Alors, nos petits récops tombent dans 2 tours exactement. Je suis en train de réfléchir, on va se booster. Voilà, on va se booster directement en fait. Et on va fuir pour éviter la PO du Yop, parce que le Yop, c'est ça qui est bien, c'est qu'il a pas beaucoup de PO. Par contre, il a pas beaucoup de vitalité, ce Yop de sang, donc ça veut dire qu'il doit avoir un énorme Rox. Je pense qu'au cas qu'il doit taper du 1000 ou, ou quelque chose comme ça, j'ai pas du tout intérêt d'y rester. Alors vous voyez, déjà le couper à moins 300, donc c'est quand même beaucoup. Et je suis en mode 1 PM là, hein. Oula. Voilà, c'est pas beaucoup. Du coup, on va invoquer le Doppel. On va invoquer le Doppel. Oh là là, et la roulette 400, 400 intelligence là, c'est pas très très cool. On va se donner des PM pour essayer d'aller fuir le plus loin possible hors de sa PO. Voilà, ça c'est nickel. On va même pouvoir se donner des CC, même si ça sert à rien. Et le Doppel qui va pouvoir aller un petit peu rox. Bon, voilà, il va faire du 113, il va faire entre du 300 et du 400 comme habituellement. Là voilà, il vient de faire un petit tour à 350. Alors, le Yop qui va bon, Spark qui va bon, précipitation, c'est logique. Tout simplement parce qu'il y a la roulette 400 intelligence. Donc là, s'il se fait pas plaisir, 615, 587, et sûrement encore un petit 600 qui risque d'arriver. Un petit 711. Et le récap. Énorme récap par contre là. Énorme récap à 1426. Ça fait plaisir. Et là par contre ça va être gros tour de rocks de ma part, parce que déjà j'ai roulette 400 AT, agilité, j'ai 15 PA, donc là allez c'est parti, on se fait plaisir. Du moins 567 au réflexe, un autre moins 602, et j'ai même de quoi faire deux petits bluffs avec des j'ai intelligence à moins 700. Ça c'est magnifique par contre. Et à moins 428 histoire de le finir. Oh là là, ça c'était rock, c'était rapide, 2 minutes 33 tours. Voilà. Alors on se retrouve contre Raisin, donc un très bon Zobal Julette, qui est Restaline en fait, Restlin ou Restline, ou je sais pas comment ça se dit, bon bref c'est le Sadida qui a fait le Glutaminator 5, donc c'est un très très bon Zobal, donc sûrement une défaite, parce que les Zobals c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à jouer, je ne vous le cacherai pas, et du coup faut que je joue en fait avec avec les plastrons, c'est assez difficile. Mais on va quand même essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Sachant que face à un The Ball, faut jouer Érosion. Il faut essayer. Il faut essayer. Sachant que le récap, par exemple, s'il tombe dans 2 tours, ici dans 1 tour, il sert un peu à rien en fait, mon récap au final. Mais c'est pas très grave, on va essayer de se cacher le maximum. Déjà, ça tombe mal parce que j'ai oublié qu'il fallait que je me cache, que je me donne des PM. Donc du coup là il va pouvoir me taper. Bon ça va, s'il fait que des apathies, pour le moment ça passe, mais s'il fait des apathies à 400, ça passe pas. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et si les plastrons il n'y en a plus, et ben ça c'est nickel. Mais bon les plastrons avant de les passer, il faut vraiment jouer à l'érosion. Vous voyez ici, un récap à moins 500, ça lui met un peu d'érosion, mais ça passe pas non plus par-dessus les boucliers. Donc c'est vraiment ça le souci majeur, j'ai envie de dire. Alors on va faire une petite roulette, voir qu'est-ce qu'on va faire. Une petite roulette 110 dommages de poussée.
Donc là, faut vraiment qu'on évite les Dopu. Là, on va lui mettre des petits top cage à moins 180, à moins 200, à moins 212. Donc ça va quand même passer par-dessus les armures. Là, il va encore se prendre à moins 300, mais c'est pas non plus énorme, hein. C'est pas non plus la folie. C'est pas la folie des grandeurs. Oui, c'est vrai qu'il est un peu jaloux de mes PO. J'ai que 5. Je vais lui répondre, j'ai que 5 PO. On va lui répondre quand même, mais c'est vrai que l'Eka a pas mal de PO pour une Strigid. J'ai réussi à pas mal me débrouiller. Et encore, j'ai pas un exo sur la Strigid vu que je l'ai pas encore FM. Et là, ça pourrait être vraiment être terrible. Bon, là, il se protège un peu du récop avec la transe, etc. C'est une erreur de sa part sans être une erreur. Parce que tout simplement, eh bien, il va éviter le récop et il va retrouver tous ses points de vie, etc. Il va pouvoir se relancer un plastron quand je vais réussir à passer par-dessus ses boucliers. Là, par exemple, je vais réussir à passer par-dessus. 400 force. Oui, il a pâti, par contre, ça va faire mal. Alors là, premier top cage à moins 265, moins 279. Moins 272, ça va, voilà, vous voyez que ça permet pas de passer par-dessus les boucliers. Le chaton 1, 2, 3, 4, non, le chaton, on va, bon, on va se le mettre là, même s'il va pas pouvoir faire grand-chose, il va pouvoir venir me soigner un peu, mais de toute façon, il aurait jamais eu les PM par rapport là où j'étais pour pouvoir aller taper Ressin. Et voilà, tout simplement pour éviter les apatites à moins 500, j'aurais peut-être dû me faire une chance d'écart, je sais pas. Mais là, il est soft, hein. Il va encore se mettre un bouclier par-dessus. Il va être tranquille, vous voyez, encore une diffraction là, par contre, à 508 de bouclier. Donc c'est nickel, au moins, la roue de la fortune passe par-dessus. Par contre, j'ai plus beaucoup de PM. Ah, 50 dommages, tiens, ça c'est intéressant. Par contre, là, j'ai pas la PO pour aller le toucher. Ça me change, hein. Les classes qui peuvent pas enlever de PO, ça change vraiment pour un EK. C'est beaucoup plus facile pour un EK flip. Là par contre j'ai fait de la merde vu que j'ai pas la ligne de vue. J'ai fait de la merde, ouais, j'ai pas du tout la ligne de vue. Donc ça c'est gros caca. On va lui faire des langues râpeuses, tant pis, des langues râpeuses pas du tout montées. On va lui dire Xe. Level 1. Et ça c'est très bof de ma part d'avoir fait ça parce qu'il va pouvoir venir me mettre du dopou. Et ça peut faire plutôt mal. Il a retrouvé ses 4000 points de vie là. Oh là là là, et ces plastrons. Aïe 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 aïe, ça va être compliqué pour moi là. En plus, il invoque son Schaferfu lancier. Donc, ça fait plutôt des gros dégâts ça en coup critique. Je vais pas le cacher. Alors. Moi, je me propose d'aller lui mettre un peu d'érosion, de me booster. Hop, voilà, je me booste. Un petit peu d'érosion. Un petit destin. À moins 530 qui va lui mettre de l'érosion, ça c'est plutôt cool par contre. Et on va jouer chance. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer chance, mais je le sens bien sur ce coup-ci. Je vais rester là pour éviter le dopou. Le chaton qui va aller taper le Schaffer qui va me soigner du 200. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Hein. J'ai fait ma chance des cas, mais aussi bien, je vais pas du tout bien le sentir. Ah si, du 570, ça c'est plutôt cool par contre. Avec la Furia, l'épée Glourson qui me soigne totalement. Oh là là, ça c'est magnifique, ça. J'ai eu le flair sur le coup, faut que je vous l'avoue. J'ai eu le flair, putain. Je m'étonne moi-même et le Schaffer l'ancien en plus qui va taper raisin. Ça c'est plutôt extraordinaire d'avoir le flair comme ça là. Ouh, dis donc. Alors là, est-ce qu'il serait pas plus avantageux pour moi de tenter un bluff 4, 5, 6, 7, non, il va pas me rester assez. Malheureusement, pas grave, on peut toujours faire un tout ou rien. Ça va tuer mon chaton, c'est pas très grave. Et on va aller se régénérer sur l'infélin. Ah! J'ai mal calculé mes PA, je pouvais encore faire un bluff. Donc, du coup, je vais aller retourner lui faire un bluff encore à 320. Encore un jet air. J'ai pas beaucoup de chance là, par contre, voilà, je me fais gangbang Dopu là. Ouh, gros tour de Dopu de la part de Raisin. Alors là, Raisin, il a 2751 points de vie. Il a pris beaucoup, beaucoup d'érosion. Alors, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, tout simplement, top KG.
On va vraiment éviter les Dopu parce qu'il fait vraiment très mal en Dopu. Et je sais pas s'il est encore sous l'érosion, il doit plus avoir d'érosion. Ah, il a plus d'érosion. Oh là là. Mais si je vais à son cac pour jouer érosion là, c'est limite dangereux pour moi. Donc on va éviter d'y aller, on va même taper limite un peu le Chafferlancier histoire de le tuer prochain tour. Voilà, il se remet encore une transe sur lui. Encore 1000 points de bouclier. Ah, s'il joue transe, ça c'est bien ça. Ça par contre c'est une bonne idée. Ah, il va aller se cacher le fourbe. Il est pas bête, il est pas bête. Du moins j'ai jamais dit qu'il était bête. Hein. Ouh, 2 PA. Alors. Là, faut que je travaille bien mon truc. Là, il croit que je vais rester contre le mur. Maintenant que je sais qu'il est Dopu, qu'il tape fort au Dopu, je vais pas y rester. Il y a 2000 points de bouclier? What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce bordel, wesh? On va se mettre là du coup parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Et c'est horrible un The Ball, hein. Oh, il joue mascarade. Oh, le fourbe. Et du coup, il va venir à la Furia, à l'épée Glourson. Et je vais pas mourir de peu. Ouh, de peu, de peu, de peu. Non! Bah, de toute façon, il. Il est tranquille là parce que normalement, il va pas perdre ses boucliers. Il va pas les perdre, voilà, il lui reste 3000 points de bouclier. Pour lui enlever ses 3000 points de bouclier là, je peux y aller quand même. Ouh, roulette 400 force, ça par contre elle est bienvenue. Petit contre-coup. Il me reste 8 PA. Bon bah je vais aller roxer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Roux, à moins 530. Un petit bluff. Et un petit tout ou rien à moins 447, mais voilà, ça va toujours pas passer sur ses armures. Il reste 2000 points de vie. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Ah, ah, je suis dégoûté. Oh là là, j'ai eu ma dose de dégoût, mais bon, ça va. C'était un bon combat. Je me suis bien débrouillé, mais contre le Zobal, c'est ça la difficulté, c'est que j'ai l'érosion, donc ça va, c'est plutôt sympa. Mais en fait, après, pour aller taper. Quand on va mettre l'érosion à 3 PO, ensuite on va se faire gangbang avec les Dopu, etc. Donc ça reste très très compliqué de jouer un Zobal. Mais bon, c'était un beau combat. Faut encore que je prenne du skill, etc. pour pouvoir le battre.